Fégué, la mère de Rabbi Nachman de Breslev, était animée par l'inspiration divine. Ses frères la surnommaient la prophétesse Fégué. De son mariage avec Rabbi Simcha, le fils de Rabbi Nachman Oredenka, elle eut 4 enfants. Rabbi Israël, Rabbi Nachman de Breslev, une fille, Perle, et Rabbi Yechiel Tzvi. Après son mariage, Fégué tardait à avoir des enfants. Les mois et les années passaient sans qu'elle soit enceinte. Elle alla s'épancher chez son grand-père. « Tu as accompli tant de miracles dans le monde. Tu donnes des enfants à ceux qui n'en ont pas. Alors pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pour moi ?» Baal Shem Tov lui assura que ce serait seulement après son départ à lui de ce monde qu'elle enfanterait. Après le décès de son grand-père, Fégué restait des heures entières sur son tombeau, implorant Dieu de lui accorder un fils. Elle eut enfin un garçon qu'elle voulut appeler Israël, du nom de son grand-père. Mais Rabbi Simcha préférait le nom de Nachman en souvenir de son père à lui. Finalement, c'est elle qui l'emporta. On nomma le bébé Israël. Il portera aussi le nom de Ditoter, c'est-à-dire le mort, ou Israël Met. L'enfant quelque peu turbulent grimpa un jour à l'âge de 2 ans sur un toit et fit une chute mortelle. Sa mère, bouleversée, vint déposer le bébé mort sur la tombe du Baal Shem Tov et dit « Est-ce là l'enfant que tu m'as promis, grand-père ?» Puis elle s'en retourna. Bientôt, des personnes venues se recueillir sur le tombeau du Baal Shem Tov virent avec effarement un bébé abandonné qui pleurait sur la tombe. Ignorant son identité, ils le ramenèrent en ville et indiquèrent où ils l'avaient trouvé. Après des recherches, on découvrit qui il était et on le remit à sa mère, débordante de joie. Le Baal Shem Tov apparut à Fégué en rêve et la réprimanda. « Pourquoi as-tu agi ainsi ? Tu aurais pu venir te recueillir sur ma tombe sans l'enfant, et l'Éternel t'aurait aussi exaucé. Tu m'as beaucoup dérangé. L'âme de l'enfant s'était mêlée à celle de dizaines de milliers d'autres, et j'ai dû beaucoup la chercher. Mais ne la trouvant pas, j'ai introduit dans son corps une autre âme. L'enfant devait cependant garder toute sa vie le teint livide d'un mort. » Il ne vécut pas longtemps. Comme à son habitude, Rabbi Simcha était en voyage. Mais cette fois-ci, il s'était attardé 2 semaines de plus sans donner de ses nouvelles. Fégué était consciente qu'en cette année 1771, un événement extraordinaire devait se produire. En effet, le Rajbi, le Saint Rabbi Shimon Bar Yochai, était venu en rêve plusieurs fois l'avertir de la naissance de Rabbi Nachman de Breslev et il lui déclara « L'ange du mal s'étend en long et en large » pour ne pas laisser cette âme venir dans le monde. Et moi, je me suis répandu en pleurs devant le Saint béni soit-il, jusqu'à obtenir que cette âme vienne dans ce monde. Un autre jour,
Le Baal Shem Tov apparut à Feige. Elle lui raconta comment l'accusateur fit pour que l'âme ne descende pas dans ce monde, si ce n'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui après beaucoup de peine et d'efforts, obtint qu'elle puisse descendre. Il lui affirma que le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, attendait beaucoup de cette naissance. « Moi aussi, j'ai besoin que cette âme descende dans le monde. » Avant son départ, Rabbi Simcha avait promis à sa femme qu'il rentrerait pour Shabbat. Le vendredi matin, Feige se leva tôt et prépara les chalotes de Shabbat. Au moment d'ôter la chala, elle souhaita à travers une vision savoir où se trouvait son mari, qui n'était toujours pas rentré. Il ne faut pas s'étonner d'un tel phénomène de la part de la mère de Rabbi Nachman, qui était d'une telle sainteté qu'elle était surnommée la prophétesse. Elle ne parvint pas à localiser son mari. Elle recommença à plusieurs reprises, mais sans succès. Elle s'y essaya une dernière fois au moment de l'allumage des bougies en l'honneur du Shabbat. L'allumage pouvait se faire plusieurs heures avant le coucher du soleil. Puis le Baal Shem Tov apparut. « Il viendra, il viendra. Il est déjà dans le Troum, dans le domaine délimité, du Shabbat. » Puis, une torpeur l'envahit, l'obligeant à s'allonger. Elle raconta par la suite le rêve qu'elle fit à ce moment. J'ai vu ma mère, la Tzedeket Odel, accompagnée des quatre matriarches, Sainte, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elles m'annoncèrent « Ne t'inquiète pas, ton mari sera rentré avant Shabbat !» Puis elles m'entraînèrent dans le palais des âmes, et là j'aperçus une âme d'une luminosité extraordinaire. Je les questionnai « Quelle est cette âme ?» Elles me répondirent que c'était celle de mon grand-père, le Baal Shem Tov. Ensuite, j'avançai davantage et je vis une âme encore plus brillante et d'un rayonnement sans fin. Et cette âme, demandai-je, cette âme, nous désirons qu'elle te revienne, répondirent-elles. À ce moment, Feige se réveilla et apercevant son mari dans la maison, elle s'écria « Mais où étais-tu donc passé? Je t'ai cherché dans différents endroits et je ne t'ai pas trouvé. J'étais parti avec un groupe et en route, nous nous sommes égarés. Tous se dispersèrent et dans l'espoir de retrouver leur chemin et je suis resté seul, ne sachant où aller. J'étais très malheureux. » Soudain, je m'endormis et je fis le rêve suivant. Quelqu'un arriva et me remit un bébé. Je lui dis, je me suis trompé de chemin et toi tu me donnes un bébé? Je refusais de le prendre. On me proposa un autre bébé d'un niveau plus élevé et je ne l'acceptais pas. On me fit 7 propositions que je refusais toutes. La 8e fois, on me dit, c'est le 8e... Il est supérieur aux 7 autres. Et même ce bébé, je n'en voulais pas. Mais cette fois-ci, on me força à l'accepter. Puis, Rabbi Simcha se réveilla. À proximité d'un endroit habité, il entra dans une maison et il reconnut le tzaddik Rabbi Yitzhak de Drovitch. Le Baal Shem Tov avait dit de lui qu'il possédait l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai.
ce tzaddik était couché sur son lit et devait incessamment disparaître de ce monde. Dès qu'il aperçut Rabbi Simcha, il dit « Comment tu es déjà là? Alors je peux m'en aller. » « Que voulez-vous dire, vous en allez ?» lui demanda tout étonné Rabbi Simcha. « J'ai seulement dit, tu es déjà là, alors je peux partir. Aïe, n'est-ce pas déjà la 8e fois ?» C'était une allusion au 8e bébé promis à Rabbi Simcha. Rabbi Simcha ne comprenait toujours rien à cela. Rabbi Yitzhak se retourna alors vers son fils Rabbi Yichiel Michel de Zlotchov et le réprimanda. « Voici que vient le maître de la maison. » Montrant Rabbi Simcha. « Oui, il y a de quoi avoir honte. Du maître de la maison, tu peux avoir honte. » Il faisait allusion à l'âme de Rabbi Nachman de Breslev qui était encore dans l'esprit de son père. Peu de jours après, Rabbi Yitzhak décéda et Rabbi Simcha assista à son enterrement. Le vendredi matin, il reprit la route pour rentrer chez lui et inexplicablement, il s'égara encore une fois. Il faut quand même rappeler qu'il se trouvait à 150 km de chez lui et qu'à l'époque, les routes étaient très mauvaises. Il arriva avant l'entrée du Shabbat. Après ces explications, Rabbi Simcha se rendit à la synagogue pour recevoir le Saint Jour. Il pria très longtemps, dans un attachement absolu au Créateur, détaché à l'extrême de ce monde. Toute sa dévotion de cette nuit du Shabbat dépasse l'entendement, la prière, la préparation et le kiddush, le repas. Son élévation était indescriptible. De son côté, Fégué alla s'immerger au mikvé, et dans la nuit, elle conçut. Neuf mois plus tard, elle enfanta un garçon doté de cette âme à l'intensité et au rayonnement sans fin. Que la lumière soit, et la lumière fut. Cette lumière descendit le Shabbat 4 avril 1772. C'était le premier jour du mois de Nissan, appelé aussi le Rosh Hashanah des rois. La section de la semaine était Tazria. Ce jour-là, naquit à Medjibouj, dans la maison de son illustre arrière-grand-père, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman. Au moment de la naissance, une lumière surnaturelle emplit toute la maison, provoquant un frisson dans l'assistance. D'autres secrets sont gardés. Ce Shabbat, l'âme de Rabbi Nachman parvint enfin sur terre, mais avec quelle difficulté! Les forces du mal mirent tout en œuvre pour empêcher cette descente. Le Baal Shem Tov était venu à plusieurs reprises avertir Fégué des forces accusatrices qui empêchaient la venue de cette âme, et les tzadikim, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai, s'était beaucoup investi pour que cette âme descende dans le monde. Rabbi Nachman racontera bien plus tard à travers un conte, La mouche et l'araignée, le parcours de son âme. On promena mon âme à travers tous les mondes et l'on invita ceux qui auraient un grief contre elle à se faire connaître. Personne n'osa se présenter. Finalement, le Satan en personne accourut et déclara « Maître de l'univers, je refuse que cette âme descende dans le monde, car quel sera alors mon travail ?»« Cette âme doit impérativement descendre sur terre. Trouve-toi une solution, lui répondit-on. » Celui qui avait crié partit. On continua de présenter son âme à travers les mondes. Puis elle arriva devant le tribunal supérieur pour prêter serment avant de descendre ici-bas. Le Satan n'était toujours pas revenu et on lui dépêcha un messager.
Le Satan arriva alors, accompagné d'un homme très vieux et courbé, qu'il connaissait depuis bien longtemps. Il dit en riant, « J'ai trouvé la solution de mon problème. Maintenant, l'âne peut descendre. » On autorisa alors Rabbi Nachman à descendre. C'est par ruse et comme à la dérobée que l'étincelle de lumière divine qui deviendra par la suite l'âme de Rabbi Nachman, d'une sainteté particulière élevée, put être arrachée aux forces contraires qui l'empêchaient de descendre. Quand les forces du mal détectent qu'une âme particulièrement sublime va descendre pour amener un grand changement dans le monde, elles mettent tout en œuvre pour l'occulter, afin qu'elle ne puisse se dévoiler. Le vieil homme, l'ami de longue date du Satan, représente la dissension qui poursuivra Rabbi Nachman tout au long de sa vie. La solution au problème du Satan était simple. Il espérait que même cette lumière de sainteté si puissante et si intense serait neutralisée lorsqu'elle serait en butte à la controverse. Il est intéressant de rapporter ici que dès l'âge de 13 ans, le Baal Shem Tov connaissait tous les noms de Dieu et ses attributs, à l'exception d'un seul, détenu par le Satan. Ce dernier n'avait accepté la mission de détruire le temple que si on lui confiait ce nom comme gage, car il savait que la délivrance du monde et l'anéantissement des forces du mal dépendaient de ce nom. Quelques minutes après la naissance du nouveau-né, sa mère lui versa alternativement 3 fois de l'eau sur chaque main, comme le recommande le Shulchan Aruch, le Code des lois, et elle en faisait de même chaque fois qu'il se réveillait pour téter. Elle lui avait préparé une petite kippa, et dès qu'il vint au monde, elle la posa sur sa tête. La circoncision eut lieu le 11 avril 1772, le jour du Shabbat Agadol, Parashat Metzora. Étaient présents durant cet événement si important les personnalités les plus éminentes de Medjibouj, les grands sages et disciples illustres du Baal Shem Tov et du Maguid de Mezritch, ainsi que les 2 oncles maternels du bébé, Rabbi Baruch de Medjibouj et Rabbi Ephraim de Sedilkov. On nomma l'enfant Nachman, du nom de son grand-père Rabbi Nachman Oredenka. Puis, faisant allusion au prénom du bébé, Rabbi Baruch prononça le verset suivant. « Celui-ci nous consolera, Yenachamenu, de notre tâche et du labeur de nos mains, causé par la terre qu'a maudite l'Éternel, malédiction engendrée par la faute originelle. » Dans le Talmud, Sanhédrin, nos sages enseignent que lorsque le tzaddik vient dans le monde, le bien arrive aussi. Après la circoncision, Rabbi Baruch contempla longtemps le nouveau-né et déclara à ses parents, « Il est destiné à la grandeur. Il y a en lui un vrai trésor de qualités merveilleuses et de choses extraordinaires. » Il leur souhaita de l'élever dans la Torah et les bonnes actions, et de pouvoir assister à son mariage. Fégué, la mère du bébé, écouta avec crainte et respect les paroles de son frère. Puis à la surprise générale, elle demanda, « Baruch, mon frère, prie de grâce, qu'il n'ait pas de controverse contre lui. Son âme est très grande, et elle ne peut subsister dans le monde sans l'antagonisme contre lui, » dit-il en esquissant un geste d'impuissance. L'assemblée présente
comprirent la profondeur de son geste et gravèrent la chose en leur cœur. Feguet avait l'habitude d'aller se recueillir sur le tombeau du Baal Shem Tov. Elle emmenait très souvent le bébé avec elle, et pendant qu'elle priait longuement, elle posait le berceau sur la tombe de son grand-père. Elle demandait que son fils soit toujours protégé et réussisse la grande mission spirituelle pour laquelle il était venu dans ce monde. Elle reconnut par la suite que chaque instant passé chez son grand-père lui avait procuré un éclairement spirituel sans limite. Dès l'âge de 2 ans, le bébé ne pleurait plus. Pour ne pas chagriner ses parents, même s'il avait mal, faim ou soif, il ne pleurait pas et ne réclamait rien. Et comment sa mère s'en apercevait? Lorsque le visage de son enfant changeait d'expression.